Bonjour, j'ai aimé ce livre. Philosophie des sciences historiques. Texte réuni par Marcel Gaucher. L'histoire devient science par l'unification du champ des études historiques. Reconstruction indirecte par des attestations documentaires. L'exactitude factuelle est un but en soi. Établir la vérité de ce qui fut. Avec Augustin Thierry, c'est l'étude patiente des faits jusqu'à la précision scientifique. La philosophie s'élève sur les ailes de la poésie. Raconter, pas juger, c'est le talent du récit comme tite-live qui fortifie la pensée humaine. Victor Cousin influença Michelet et Quinet. La fonction de l'histoire est de retracer les époques en déterminant les causes. La philosophie contemple le vrai par la raison. Jean-Baptiste Vico bénissait les adversités qui le ramenaient à ses études. Noble théorie du devoir, c'est l'école de Kant. Nulle autre part, il n'y a de grands hommes qu'en philosophie. La manière la plus grande de servir l'humanité et de lui faire faire un pas vers la route de la vérité en élevant les idées. Michelet rappelle qu'il était libre par la solitude, la pauvreté et la simplicité de vie. Le cœur grandit dans les excès de misère. Que de jours de labeur et d'études au fond des archives. Philosophie des sciences historiques, texte réuni par Marcel Gaucher. Lisez-le, merci.